C'est le break sur ce WPT National Series Cannes. Je suis avec Thibaut Guénégou, Thibaut Vol. Comment ça se passe, Thibaut Vol? Ça va? Ça se passe plutôt bien. J'ai une table assez sympathique qui me pose pas trop de problèmes pour le moment. Je suis déjà up à 30K alors qu'on démarre à 20 000. Donc ouais, 50% de plus, je suis content. Bien. Ça s'annonce bien ce tournoi, tu le sens bien? Je le sens bien, je le sens très très bien honnêtement. Je suis arrivé bien. En fait, j'ai une petite anecdote. Je sais pas si tu te souviens, pour Amnéville, je devais commenter la table finale d'Amnéville et j'avais pas pu parce que j'ai participé à la table finale. D'accord. Et là, aujourd'hui dimanche, on m'a dit je dois commenter la table finale ici ce dimanche, c'est la deuxième fois qu'on m'invite pour commenter une table finale. Et donc voilà, j'espère que la même chose va se passer. C'est bon signe. C'est bon signe. Donc on se verra probablement dimanche, on te verra probablement dimanche, verra dimanche sur le streaming de la table finale. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Dans tous les déjà. Cas quoi. Merci beaucoup Thibaut, bonne chance pour la suite. Merci. À toutes. Alors Léo, c'est le premier break, comment ça se passe ce World Poker Tour pour l'instant National Series? Pour être honnête, très mal, je me suis fait déstacker la première main que j'ai jouée au bout d'une demi-heure avec deux dames sur dame 8-5 tout à trèfle, il y a couleur max en face, ça part, je double pas, donc pour l'instant on a un petit 4K gentiment, un petit 20 blindes, donc voilà, on va faire comme si on en fin de D1 avec 20 blindes et on va serrer les deux, au pire on va re-entry quoi. Comment tu te sens ce tournoi? C'est un beau tournoi quand même, c'est un bel événement, ouais, c'est un beau casino. Ça a l'air poisson, Cannes c'est toujours bien, quoi qu'il arrive, on est bien, il fait soleil au pire des cas si on bust tôt, mais après je suis à côté de Paul Guichard, donc quoi qu'il arrive on se marre. Donc, ouais. Paul Guichard qui est le runner-up de l'EPT. Donc c'est le chatard de Deauville. C'est un bon joueur, tu t'attends à te batailler un peu avec lui ou Je m'y attendais quand j'avais des jetons, après maintenant vu ce que j'ai, en gros la guerre, ça va partir très vite, donc il n'y aura pas de grande bataille pré-flop vu le nombre de jetons que j'ai là maintenant. Hein. Bon, on te souhaite bonne chance Léo. Merci. À plus tard. Ça marche. Hey. Bonjour. Bien, et toi? Comment ça va? Bah nickel, écoute. Le WPT a commencé, WPT National Series, ça se passe bien pour l'instant pour toi? Ouais, bah pour l'instant on a joué deux niveaux, je suis au stack de départ, je suis un peu descendu, je suis remonté, ça va quoi. Ouais. On a rien à signaler pour l'instant. Ça s'annonce bien, t'aimes bien les WPT, t'avais joué à Paris le National Series de Paris? Ouais, bah mauvais souvenir, pour l'instant au WPT j'ai pas fait un item, donc tu vois j'ai pas des très bons souvenirs des WPT, mais bon sinon c'est des beaux tournois, donc ouais. D'accord. On y croit. D'accord, et bah on te souhaite bonne chance alors. Bah merci beaucoup. À plus tard. Merci, à plus tard. Il y a quelques jours, Philippe Torza a terminé deuxième du World Poker Tour Championship à Las Vegas au Bellagio. Aujourd'hui, il est à Cannes pour le World Poker Tour National Series. Bonjour Philippe, comment Bonjour. Ça se passe? Bah super, voilà, je suis très heureux d'être là. J'essaie de ressortir un peu de ma bulle parce que c'est quand même un événement qui m'a beaucoup déstabilisé parce que ça m'a procuré tellement d'émotions que c'est dur d'oublier, mais bon, maintenant, revenant là, on reprend toujours autant de plaisir. C'est pas parce qu'on a joué un tournoi à 25 000 qu'on est plus capable de jouer un tournoi à 1005. Je crois que moi, je suis un amoureux du poker, donc je prends autant de plaisir à jouer là que de jouer le 25 000. Et puis là, il y a des copains, il y a plein d'amis que je retrouve, en disant qu'ils me félicitent, bien évidemment. Mais je suis très heureux d'être là. Tu te sens capable d'accrocher une deuxième table finale de World Poker Tour de suite, là? Bah, on s'en sent toujours capable, sinon on ne s'inscrirait pas au tournoi. Donc quand on entame un tournoi et qu'on joue, c'est pour aller le plus loin possible. Puis évidemment, si je peux accrocher une table finale, là, je le ferai. Voilà. Bah, méfiez-vous tout le monde, Philippe Torza est très en forme en ce moment. Philippe et on espère te retrouver dans deux jours pour la table finale. Exactement.